Journal de bord de Marc Bouchard, pilote de course professionnel du dimanche. Alors c'est Gags qui m'a demandé de tenir ce petit journal pour suivre mon année en F2. Et comme je trouve que c'est indéniablement la meilleure chaîne de YouTube Gaming, ne nous mentons pas, j'ai décidé de lui faire ce petit plaisir. Et vous êtes au bon endroit. Parce que c'est la dernière putain d'année que je passe dans ce trois rats. L'année prochaine, chut, en haut. Alors il y a deux trois petits connards qu'il va falloir gérer sur la piste, enfin manager, et surtout mon coéquipier, je peux plus. Je ne peux plus le saquer. Évidemment, je peux pas le dire. Je diminue un peu mon impulsivitude. C'est toujours mon agent qui me dit ménage la chèvre et le chou, hein, surtout caméléon. Chut. Et ensuite, quand tu seras en haut, tac, tu pourras dire ce que tu penses. Voilà. Alors on est au troisième Grand Prix de la saison. Je me suis pas trop mal démerdé, la voiture est un peu instable chez Dams quand même, mais bon, ça va. Les essais libres, ok, les qualifs, j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme la course approche, bah on va y aller. Donc vous venez avec moi? Allez, on y va. Le nouveau pilote de Dams domine vraiment la course. Derrière lui, Devon Butler le poursuit sans relâche. Ces deux-là se battent avec acharnement pour les premières victoires de ce championnat. Et quelque chose ne va pas. Butler va saisir sa chance. Un problème mécanique. La voiture reprend de la vitesse. On ne sait pas trop d'où venait le problème. Finira-t-elle la course? Finira-t-elle la course? Finira-t-elle la course? Ça va l'air d'être un souci de turbo. Tu as perdu en vitesse de pointe. Mais turbo, tu es très proche de la fin. Tu peux encore te battre pour gagner quelques points. Ne baisse pas les bras. Turbo! On est tous derrière toi. Ah, c'est ça! Comment je vais faire maintenant? Quelle poisse, comment je vais faire là? J'ai deux coudes à coude avec Butler. Je reste concentré. Mon coéquipier approche et il veut passer. Je répète, Lucas veut te doubler. Jamais de la vie. C'est moi qui ai le plus de chance au championnat. Faut que je grappille des points. Pas question que je me sacrifie. Encore une fois, ton coéquipier veut te doubler. Je sais que tu veux conserver ta place, mais sans ton turbo, il est mieux placé que toi pour aller chercher des points. Si tu empêches Lucas de passer, tu risques de faire perdre des points à toute l'équipe. Ouais. Et à moi-même, pour commencer. Si je veux gagner le championnat pour monter en F1, c'est pas maintenant que je dois le laisser passer. Je te le demande encore une fois, laisse passer Lucas pendant qu'il peut encore aller chercher des points. Je commence par me rattraper d'abord. Et ensuite, on verra si je vais lui faire des cadeaux. Pour l'instant, je gère pas trop mal mon handicap. Pas capable de me rattraper, ce con. Bon, je pense que tu vas te faire sermonner après ça. Ne laissons pas passer Lucas, tu as fait perdre des points potentiels à l'équipe. Pour l'instant, continue de rouler et fais au mieux. Ouais, bah on verra à la fin de la saison. C'est vous qui viendrez me lécher les bottes. DRS. Et même sans turbo, ça passe. J'espère qu'il va pas me serrer sur ce virage. Butler est premier. Butler est passé premier. Je vais y perdre beaucoup dans cette course. Allez, dernier virage. Viens me prendre la troisième position, ça va être compliqué. Norris, c'est un gars sérieux, il fait pas beaucoup d'erreurs. Devon Butler, le vainqueur. Ça m'écœure. Franchement, ça m'écœure. J'ai fait une belle course. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Comment expliquez-vous ce triomphe, David? La chance! Je pense qu'il doit sa victoire à sa capacité à s'adapter. Que dalle! Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. La merde! C'est un bon résultat pour Devon Butler qui conforte sa place de leader au classement. Alors. Ah, salut. Salut. C'était une superbe course. Merci. Tout le monde ne parle que de toi, et j'ai donc réussi à obtenir une petite interview. Ok. Ok, tout est prêt ici. Une petite minute. Rappelle-toi. Ce que tu dis à la presse, tout le monde s'en souviendra. Alors, détends-toi. Je sais. Mais fais aussi gaffe à ce que tu dis et à la façon dont ça pourrait être interprété, oui, ok? Je sais, mon impulsivitude. Je crois qu'on est prêt. Super. Donc Emma, n'arrête pas de me dire que tu es le pilote à suivre cette saison. Si c'est vrai, tu vas en faire plein des interviews.
N'oublie pas d'être toi-même. Et plus tu pourras m'en donner, mieux ça passera. Bien, mets-toi là. Tourne un peu par là. Parfait. Pourquoi n'avez-vous pas laissé passer Lucas quand votre équipe vous l'a demandé? Je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Voilà, Lucas était loin, j'allais pas non plus m'arrêter pour qu'il passe. Et puis de toute manière, je pense que je suis le leader de l'équipe. Hein. Donc si vous commencez avec ces questions de merde, on va pas s'en sortir. Hein. Moi je suis Marc Bouchard, ok? Ça fait quand même une paye que je suis en F2. Donc il y a un moment donné, faudrait pas non plus toujours revenir sur les mêmes polémiques. Hein, c'est clair que celui qui a le plus de chances de gagner le championnat, c'est moi. Voilà, d'autres questions? Bien, ce sera tout, merci. Lucas, Non, là c'est pas le moment. Putain, j'ai envie de leur mettre une... La prochaine fois que l'équipe te donne une instruction, tu la suis. Et c'est pas une suggestion. Compris? Oh, je vous dérange peut-être, je sens mal. Je peux partir, ou alors... En fait, non, quand t'as besoin de quelque chose? Gueule, Lucas. Oh, c'est juste que c'était toi le meilleur aujourd'hui. Merci. Ouais. De ma voiture, tu méritais la victoire. Merci. Ok, super, tant mieux pour toi. Mais l'équipe t'avait donné un ordre et t'as failli tout faire rater, pour nous deux. Écoute, ça me fait vraiment mal d'avoir à te l'annoncer comme ça, mais t'as pas du tout l'étoffe d'un champion. Ça me vient la charge, j'en colle une. Bon, écoute, je comprends très bien pourquoi t'as fait ça. Mais tu crois vraiment qu'une écurie de F1 te laisserait piloter comme ça de chante? Tu rêves. Lucas. Lucas, il a raison. Quelle vitesse! Devon Butler est roue dans roue avec son grand rival du championnat. Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de passer. Et c'est le contact! Butler a complètement fermé la porte. C'était absolument inévitable et regardez, les dégâts sont plutôt lourds. Difficile de dire s'il s'agissait d'une imprudence ou d'agression pure et simple. Mais je suis persuadé que les commissaires vont rapidement rendre une décision. Une décision, ouais. Putain, mais sortez-le de la course, merde! N'abandonne pas, tu es toujours dans la course. T'es toujours dans la course, c'est ça, ouais. Allez! Bon, allez, faut que je me ressaisisse, parce que la voiture est en bon état maintenant. Va falloir que je donne tout. On sait jamais ce qui peut se passer dans une course. On va bien négocier ce virage, se reconcentrer. Ok, les commissaires ont donné une pénalité de stop and go de 5 secondes à Devon. Fonce, tu peux encore le rattraper. Tu peux encore le battre. 5 secondes? Putain, mais vous vous foutez de ma gueule. 5 secondes. C'est rien, 5 secondes. Il aurait mérité de sortir. Putain de merde! Allez, je calme mon impulsivitude. Reste concentré. T'as des gens à doubler. Devon rentre au stand. Devon est au stand. C'est là que tu peux donner un petit coup de turbo. Prends tous les risques. Devon est actuellement 7ème. Allez, je suis, je le lâche pas. Profitez d'aspiration. Je suis DRS. C'est bien fait, c'est bien fait. Attention à pas se chier à ce virage là. Va me reprendre par l'intérieur, c'est parfait. Allez, au suivant. Boulou, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. L'écart avec notre coéquipier est de 12,4 secondes. Devon est actuellement 7ème. Non mais on s'en fout de Lucas, hein. C'est moi qui compte. C'est là qu'on peut admirer mon talent. Meilleur tour en course, faut que je continue sur cet effort. Je lâche rien. Je peux tous débouffer. DRS. Allez. Allez, bouffe-le. Bouffe-le, voilà, la corde. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, Giotto? Eh ouais, mon gars. Laisse passer les meilleurs. 7ème et moi bientôt 8ème. Allez, faut pas que je le lâche. DRS. Allez, 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 allez. Et l'aspiration, je freine dans le virage. Deux fois dans le même virage, c'est parfait ça. C'est parfait.
Butler est devant toi. Allez. On va voir ce que t'es capable de faire, Butler. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ouais. Devon est ralenti par le sixième, Russell. C'est le moment d'en profiter. Ça va être un tour acharné entre les deux, je pense. Allez, Devon. Le duel final de cette course. Oh là là. Touchette. Hein, je te rends l'appareil, Devon. Petite erreur dans le virage. Aïe aïe, petite erreur là aussi. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien, allez. Aïe 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 aïe, j'aurais pas réussi. Devon, tu me le paieras. Tu vas me le payer. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Ouais, bah pas moi, ferme ta gueule. La collision avec Devon vous a clairement fait perdre beaucoup de temps. Vous êtes déçu du résultat final ? Bah non, écoutez, je crois que ce sont des choses qui arrivent. Hein. Effectivement, Devon m'a rentré délibérément dans l'arrière-train, mais bon... Ce sont les aléas de ce sport que l'on aime tant. Hein. Bah, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde, franchement ? Non, mais c'est une question conne, quand même, franchement ! Tu crois que je vais te répondre ça ? Bah, évidemment que je suis dégoûté ! Je vais pas te dire c'est un grand champion, c'est normal qu'il a le droit de faire ça, c'est moi le champion ! T'as d'autres questions ? Bien, ce sera tout, merci. Bon, je viens d'apprendre qu'une procédure disciplinaire avait été lancée contre moi suite à ces deux grands prix pour fraude sur la maniabilité du véhicule. Alors, je comprends pas très bien, j'ai aucun problème avec mon volant. Enfin, je fais des à-coups un peu brusques, mais c'est ma manière de faire, quoi. Donc voilà, affaire à suivre, et d'ailleurs la suite au prochain épisode, parce que je compte bien être champion du monde de F2, et c'est pas des petits pignoufs de la discipline qui vont m'en empêcher.